Qui est l'ennemi sur la planète? On l'a cherché partout, l'ennemi. Tous et chacun. On a cherché cet ennemi. Mais il n'existe pas. Il n'est pas à l'extérieur de soi. Il est en soi. Parce que l'ennemi, c'est celui qui dénigre le sacré. Ce qui est sacré, c'est la beauté, la joie de vivre. Les oiseaux, les fleurs, les arbres qui poussent. Si on ne voit pas la beauté là-dedans, alors on a raté toute la vie. On traverse l'existence comme un aveugle, sans voir que tout ça, ça vaut le coup. Donc, si on reste aveugle, on va tout simplement détruire la chose qui est sacrée, c'est-à-dire la vie. Parce qu'aujourd'hui, on tue gratuitement. On tue parce que ça fait plaisir. On va à la chasse et on tue. On tue pour manger. On tue pour une idée. On tue parce qu'on aime. On tue parce qu'on n'aime pas. On a banalisé la vie. Et on le dit tous les jours sur nos antennes, sur les télés, dans les infos. Catastrophique est la vie que nous voyons autour de nous. Et ça va de pire en pire. Où l'avidité est bat son plein. Et personne ne s'aperçoit que tout ça, c'est en train de nous détruire. L'ennemi, il ne faut pas aller le chercher ailleurs qu'en soi. Nous avons la graine de la destruction en nous. Et cette graine, c'est justement l'instinct qui cherche du bien-être. L'instinct de vivre, l'instinct d'être bien, l'instinct de tout avoir. L'instinct de progresser, l'instinct de surmonter tout, surmonter la vie qui nous embête, surmonter les aléas, surmonter les souffrances, tout braver. Voilà ce que l'homme veut. On veut faire ça. Mais tu sais, en faisant ça, on est pris dans un cercle vicieux. Du jamais assez. Il y a une insatisfaction incroyable. Et on se vautre dans l'envie, dans le plaisir, pour pouvoir pallier à toute cette activité qui nous rend fou. Et pour ne plus, pour être un peu moins fou, alors on se distrait, on s'évade un peu de toute l'activité qu'on fait pour pouvoir gagner, pour pouvoir réussir. Parce que cette activité n'est pas nature, n'est pas la nature de nous-mêmes. Elle est la nature de ce que nous avons hérité. Et nous avons hérité la race animale. La race animale, c'est l'instinct de survie, le désir. Le désir de réussir, le désir de se protéger, le désir de se mettre de côté face aux adversités, le désir de ne pas vouloir regarder en face, le désir d'autre chose que ce qui est. Nous renions les faits, en fait, mais les faits sont là. Et nous les renions. Nous voulons ce que nous aimerions. Et ça, ça n'existe pas. Voilà la décadence. Le fait que nous ne soyons pas dans l'attention de ce qui se passe, la vie qui passe, la vie qui revient, la vie qui est, la vie qui se joue, ce sont les faits.
Nous ne pouvons pas esquiver ça. Cependant, nous croyons, nous avons acquis des croyances à travers les millénaires que nous pourrions maîtriser ce que la vie émane de chaque instant, les aléas, la brutalité des cyclones, la brutalité de ce qui se passe en soi. C'est la brutalité de se dire que je ne suis pas ce que je suis ce que j'aimerais être. Et ça nous fait courir vers quelque chose qui n'est pas vrai, n'est pas nous-mêmes. Donc ce que nous sommes, c'est justement un programme qui a été élaboré depuis la nuit des temps pour arriver à des fins. Et la fin de ce programme n'est pas bienveillante, en fait. C'est de la destruction du sacré, pour mettre en place une machine parfaite, des actions réflexes, compulsifs, des actions qui protègent la sécurité que nous avons établie, nous, dans notre monde. Ce sont toutes ces actions que nous essayons de mettre en place. Et ça, c'est un programme qui tente à éradiquer ce que la vie veut, ce que la vie est. Mais pour mettre en place une sorte de sécurité qui n'existe pas. D'où le leurre qu'on s'avance dans une humanité qui n'a pas de sens. C'est un leurre. On se leurre que on puisse arriver à vivre sans la vie elle-même. Nous mécanisons tout. Nous enlevons le sublime dans nos vies. La joie, l'enthousiasme. Au profit de quoi ? Au profit du plaisir. Au profit de réussir. Réussir. Réussir quoi ? Gagner plus. Avoir plus. Et toujours plus, sans jamais se satisfaire. C'est ça, réussir. Et puis se croire arrivé. Où doit-on aller ? Arriver, c'est quoi? C'est avoir sa petite maison, tout ce qu'on veut, pour être à l'aise, en dépit de tout ce qui se passe autour de nous, du pauvre qui erre et qui n'a rien, alors que toi, tu as tout. Tu as pu tout avoir au détriment de celui qui donne. C'est ça, c'est une question qu'on devra se poser à soi-même, parce que c'est une question pertinente qui taraude l'humanité depuis des siècles et des siècles. Parce que le centre d'intérêt que nous avons tend à se contenter de moi, et moi, dans son intérêt, dans sa demande, est devenu très important pour soi. Donc moi passe en premier. Moi est avant tout l'important à alimenter, l'important à satisfaire. Et cette demande du moi est insatiable. Parce que il est lui-même l'héritage de l'instinct animal que nous avons reçu. La survie. Survivre toujours plus loin. Aller plus loin. Aller sur Mars, sur Vénus, toujours chercher un moyen pour aller plus loin, alors que nous ne savons pas vivre ensemble, juste là, entre nous, dans nos familles, dans nos villes, dans nos sociétés. Comment faire pour sortir de là? C'est la grande question.
La question, c'est, est-ce que je veux sortir de là? Est-ce que je vois l'ambiguïté de tout ça? Est-ce que je vois la catastrophe? Est-ce que je vois le mur qui vient vers moi? Si tu ne le vois pas, c'est parce que tu t'amuses. C'est parce que tu cherches des choses pour t'empêcher de voir la réalité. Donc, tu rêves. Et tu veux faire exister ce rêve pour ne pas voir la réalité. Parce que la réalité, elle est dure, finalement. La réalité de notre vie, elle est dure. C'est une catastrophe. On fait la guerre. Il y a des gens qui meurent de faim. On ne veut pas voir ça. On veut penser à autre chose. On veut penser que ce que nous avons, c'est tout ce qu'on veut. Mais toutes ces choses qu'on a, c'est à la transpiration de quelqu'un. Quelqu'un nous l'a donné. La planète nous l'a donné. Et combien de planètes on a? On n'en a pas beaucoup, on n'en a qu'une seule. Et il faudrait qu'on puisse vivre ensemble sur cette planète, qu'on puisse la maintenir dans toute sa splendeur. Mais si nous la détruisons, nous creusons de plus en plus profondément pour aller chercher en son sein ce que nous voulons pour être bien. Ce bien-être, pourtant, est éphémère. Il n'a rien à voir avec ce que tu es au fond de toi. Ce bien-être n'a rien à voir avec la vie. Elle a tout à voir avec l'aspect de ce que tu es devenu, qui cherche à être en sécurité. C'est ça le bien-être que nous cherchons. La sécurité d'être toujours dans le plaisir et ne pas subir la souffrance que la vie nous impose. La vie est cruelle parfois. Elle nous enlève de notre plaisir, de notre joie même. Ton enfant meurt et il n'y a plus de joie. Un déchirement parce que tu t'es attaché. Et cette souffrance, la vie veut t'expliquer que quand tu t'attaches à tout ça, tu souffres. La vie te demande de ne pas t'attacher au bien matériel, au bien-être humain que tu as pu obtenir de ton fils, de ta femme, de la société dans laquelle on est. La vie essaye de t'expliquer que si on s'attache, on va souffrir. C'est une loi de la nature. Tu t'attaches à ce que tu aimes, tu deviens la chose que tu aimes, et si quelque chose arrive à tout ça, eh bien, tu es extrêmement ennuyé, tu souffres du manque, du vide que tu ressens. Alors que la vie essaye de te dire que, tu vois, ce vide qu'il y a, c'est ce que tu es. Il faut que tu acceptes de vivre ce vide. Et celui qui accepte de vivre ce vide, il a toute l'intelligence pour pouvoir vivre sans la souffrance, sans l'attachement. Et celui qui est sans attachement peut être ce qu'il est, mais pas être ce qu'il aimerait. Et quand tu es ce que tu es, alors émane de toi cet amour qui vient de ce rien, de ce vide, de cette immensité que tu as peur. Elle vient de là, cet amour. Parce que tu es cet amour, tu es ce rien. Et l'amour ne veut rien être autre que ce qu'il est. L'amour aime, n'attend rien, ne demande rien, ne pose pas de conditions à qui que ce soit sur cette planète. L'amour aime, et tu es cet amour. Et quand tu es cet amour, et que tu t'es débarrassé de ce qui empêche cet amour se manifester à travers toi, alors, tu es un homme accompli.